Le confinement, c'est une stratégie qui vise à casser l'épidémie en cours. On déclare de réaliser un confinement lorsque le virus circule dans toute une communauté, dans une zone, dans un pays, de manière à arrêter la transmission interhumaine. Et c'est pour cela que on demande à toutes les populations de se mettre à l'abri et de réduire les échanges pour que le virus ne puisse plus passer d'une personne à une autre. Donc c'est la stratégie qui semble aujourd'hui marcher le mieux. Cette stratégie a été utilisée en Chine avec succès. Elle a été utilisée en Italie et on voit déjà les premiers résultats. Elle est aujourd'hui utilisée en France. Donc il s'agit de casser complètement la dynamique de l'épidémie. Bon, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Le virus est probablement déjà en circulation en Afrique depuis quelques mois, puisque pendant la période que moi je dirais muette entre novembre et janvier et même début février, l'Afrique n'avait pas encore notifié des cas, mais il y a eu des contacts entre les Africains et les Chinois et même les Chinois qui venaient de Wuhan, la zone, le point de départ de cette épidémie. Et donc il y a eu des échanges, et probablement il y a eu des personnes qui étaient infectées et qui, asymptomatiques, ont sûrement voyagé en Afrique. Et donc cette période est une période qui a probablement, comme je le dis, amené le virus en Afrique. Voilà. Et depuis que les premiers cas ont été notifiés dans les différents pays d'Afrique en provenance de l'étranger. C'est surtout des cas importés, c'est-à-dire que des gens qui ont été contaminés à l'extérieur du continent et qui ont voyagé dans nos pays et qui ont été en contact avec d'autres personnes. Donc, oui, probablement que l'Afrique va être touchée, mais il faut absolument prendre des mesures d'urgence, il faut organiser la riposte, prendre des mesures. Certaines mesures seront très drastiques, mais il faut les prendre quand même pour éviter la diffusion de ce virus. Vous savez, nous sommes aussi en train de tout apprendre parce que c'est un nouveau virus. Il n'a été décrit qu'il y a 3 ou 4 mois. Et donc, rien aujourd'hui ne peut être. Nous avons une certaine connaissance, mais rien ne peut être affirmé à 100%. Donc, on pense que il est un peu plus d'abord de 14 jours, parce que on pense que lorsque la personne est en contact avec le virus, la période d'incubation est de 14 jours. 80% des gens ne feront pas la maladie grave. Ils seront sûrement asymptomatiques ou alors ils vont avoir des signes mineurs, un simple rhume ou alors un syndrome grippal que nous connaissons tous. On a un peu de fièvre, on a un peu de courbature, voilà. Mais donc on peut dire qu'aujourd'hui, on pense que le virus reste au moins un mois avant qu'il ne disparaisse. Donc voilà, mais la période la plus importante, c'est les 14 jours du point de départ de la contamination à la période d'incubation, tout en sachant que maintenant on sait aussi que on peut transmettre le virus quelques jours avant que n'apparaissent les premiers signes. Donc ça, c'est une situation qu'il faut prendre très au sérieux parce qu'une personne qui est asymptomatique pourrait, avant de développer les signes, être transmetteur du virus. Le coronavirus n'est pas à transmission aérienne, c'est-à-dire dans l'air, parce que
comme on le sait maintenant, c'est à partir des gouttelettes respiratoires, c'est-à-dire que le virus se trouve surtout dans le nasopharynx, c'est-à-dire au fond de la gorge, au fond de la gorge, au fond du nez. Et lorsqu'on tousse, ces gouttelettes-là, ce sont elles qui portent à l'intérieur le virus. Mais ce n'est pas une voie aérienne. La voie aérienne, quand on dit voie aérienne, ça veut dire que quand on respire, c'est à partir de l'air. Alors si c'était le cas aujourd'hui, nous serions dans une situation où tout le monde serait masqué, où l'épidémie serait encore beaucoup plus grave. Non, ce n'est pas à transmission aérienne, c'est à partir de gouttelettes respiratoires ou des postillons, mais tout en sachant aussi que de manière normale, une personne sur trois postillonne chaque jour. Donc il faut le savoir, c'est très important, c'est à partir de ça. Maintenant, lorsque vous postillonnez ou que ces gouttes tombent sur des surfaces, la durée de vie du virus est de quelques heures à 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Par exemple, on le sait, les chercheurs britanniques viennent de montrer que sur les pièces de monnaie, la durée de vie du virus est de quelques heures, 4 heures. Mais par contre, sur les surfaces métalliques et même plastiques, le virus peut persister jusqu'à 3 jours. Donc ça varie en fonction des surfaces. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi nettoyer les surfaces, surtout quand on est en situation d'avoir quelqu'un malade dans les hôpitaux ou alors même en famille, lorsque on a une personne qui est touchée par le virus. Ben, tout le monde est touché. C'est pour ça que les mesures de prévention sont valables pour tout le monde. Mais sur la base de l'expérience chinoise ou européenne aujourd'hui, on sait que la maladie touche moins souvent les enfants et moins souvent les jeunes. Par contre, les enfants ont souvent le virus et le transmettent aux parents. Et donc, le transmettent aux parents parce que c'est par le jeu des mains, de contact humain, que le virus se propage. Donc, ça, on le sait à partir des expériences chinoises et européennes. Mais aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a des jeunes qui sont atteints. Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que beaucoup de jeunes ou les personnes de plus de 70 ans qui sont sévèrement touchés par ce virus ont souvent des comorbidités, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des maladies. Soit ils ont le cancer, soit ils ont le diabète, soit ils ont des problèmes cardiovasculaires, soit ils ont des maladies immunodépressives et qui font que le virus est beaucoup plus une expression plus sévère dans ces populations-là. En général, 80% des personnes qui sont contaminées restent asymptomatiques, c'est-à-dire ils n'ont pas de signes. Ils ont le virus, mais ils n'ont aucun signe. Et 15% ont un syndrome grippal, comme je l'ai dit, la fièvre, la toux, les courbatures, la fièvre, le syndrome grippal habituel. Donc 15% ont ça. Et puis il y a probablement 10% des personnes qui font la maladie sévère, c'est-à-dire avec la pneumopathie virale qui est très grave. Et lorsque elle survient chez des personnes de plus de 70 ans et qui ont déjà des comorbidités, comme je l'ai dit, donc des maladies sous-jacentes, c'est une situation qui nécessite des traitements très compliqués, de respiration extracorporelle et d'être dans les services de réanimation. Et c'est souvent ces personnes-là qui malheureusement décèdent du fait qu'ils sont déjà suffisamment fragiles. Non, c'est trop tôt. Un vaccin pour le développer qui soit accessible à tout le monde, d'abord il faut fabriquer de grandes quantités.
il faudrait au moins 18 mois ou plus de 18 mois. Donc, ça ne sera pas possible pour cette épidémie-là. Peut-être que ce virus va persister, sera là avec nous. Il y aura peut-être des épidémies saisonnières, comme c'est le cas de la grippe. Vous savez, en Europe, souvent, même ici en Afrique, souvent dans la période de l'Ramadan, tout le monde tousse, tout le monde a un petit rhume. Et donc, peut-être que ça va persister. Et en ce moment-là, la vaccination ou le vaccin serait utile, comme on a la vaccination contre la grippe. Et on conseille les gens, souvent en Europe, quand à l'approche de l'hiver, de se vacciner. Donc, il n'y aura pas de vaccin, je crois, disponible d'ici 18 mois. Mais par contre, il y a plusieurs traitements, plusieurs médicaments qui sont aujourd'hui, des médicaments qui sont déjà là et qui sont expérimentés pour voir s'ils ont une efficacité certaine sur le coronavirus. On a parlé récemment d'un médicament antipaludique, antimalarique, la chloroquine, que les équipes de Marseille, par exemple, sont en train d'essayer. Les équipes chinoises aussi ont essayé, mais bon, il faut attendre que tout ça se confirme. Il y a des médicaments qui ont été essayés dans le cadre du virus Ebola et qui sont aujourd'hui essayés dans le cadre de ce nouveau virus. Il y a une certaine efficacité, mais il faudrait attendre un peu avant la confirmation de l'efficacité de ces médicaments qui existent déjà. Ce ne sont pas des médicaments nouveaux, mais ce sont des médicaments qui sont déjà disponibles et qu'on est en train d'essayer pour voir. Parce qu'on est en période difficile et qu'il faille trouver tous les moyens pour faire reculer cette épidémie. Donc les chercheurs, les cliniciens essaient d'essayer toutes les molécules que nous avons pour essayer de traiter cette maladie, ce virus nouveau. Alors, il faut aussi savoir que en temps normal, chaque individu, toutes les 60 secondes, touche son visage, les yeux, la bouche ou le nez. Et donc, c'est un réflexe normal. Toutes les 60 secondes, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut se laver la main. Et quand on sait bien laver les mains, on est à peu près protégé pour une certaine période, une heure, deux heures. Et c'est pareil pour les solutions hydroalcooliques qu'il faut le plus souvent utiliser. Il faut aussi garder, maintenant on le sait, la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'il faudrait éviter d'être le plus proche les uns des autres. Il faudrait avoir une distance de moins un mètre. Mais les Australiens disent un mètre et demi. Alors moi, en Afrique, si les pouvoirs publics doivent conseiller, je dirais 2 mètres. Parce que la notion du mètre n'est pas forcément bien comprise. Parce que c'est quoi un mètre, vous voyez, c'est un grand pas. Et donc peut-être aussi, il faut expliquer aux gens qu'il faudrait il faut être à distance au moins de 2 grands pas. Parce que si on dit 1 mètre, tout le monde ne sait pas, ça peut être 65 cm. Donc, moi, je dirais plutôt 2 mètres, puisque en Europe, on dit, l'OMS dit 1 mètre. En Australie, les scientifiques ont dit 1,5 mètre. Moi, je dirais en Afrique, disons 2 mètres ou 2 grands pas. Donc, chacun se tenir à distance. Parce que, pourquoi à distance? Parce que lorsque on postillonne ou on tousse et qu'on oublie de tousser dans le coude, alors ce postillon là en général ne va pas aller au-delà de 2 mètres. Donc voilà pourquoi on demande cette distanciation sociale, mais aussi donc tousser dans le pli du coude le plus souvent possible, parce que bon, parfois il y a des réactions, on oublie, mais le plus souvent il faut maintenant que les gens se maîtrisent et à chaque tout le face au creux de du coude pour éviter d'éparpiller le virus un peu partout sur les surfaces.